Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne de magie aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes, vous allez voir, qui est vraiment extra. Donc je vais vous faire l'explication tout de suite et vous verrez l'effet en même temps que je vous explique, vous allez voir ce qui va se passer. Donc pour ce tour, il vous faudra soit deux spectateurs, ou vous pourrez le faire aussi avec un seul spectateur. Il vous faudra également un jeu bleu et un jeu rouge. Donc chaque jeu est rangé dans un ordre précis. Donc concernant l'ordre des cartes, je ne vais pas vous les dire une à une parce que ça va être super long. Donc dans la description de la vidéo, je vous mettrai exactement l'ordre des cartes qu'il faudra ranger. Donc le jeu rouge a une petite particularité, il y a 13 cartes répétées deux fois. Donc par exemple ici, du 6 de pique au 5 de carreau ici, et nous avons le 6 de pique, la dame de cœur, l'as de cœur en miroir, 9 de carreau. 3 de pique, 8 de cœur, 4 de trèfle. Voilà, nous avons 2 fois 13 cartes qui se répètent. Après, le reste des cartes sont différentes. Donc, tout ça, je vous expliquerai dans la description. D'accord? Et le jeu bleu, pareil, il est rangé d'une certaine façon aussi. Donc là, vous avez 52 cartes différentes. Et vous allez voir ce qui se passe. C'est vraiment extra. Vous êtes prêt à faire votre tour? Vous dites, voilà, nous avons un jeu rouge et un jeu bleu. Et nous allons utiliser le jeu rouge et le jeu bleu, nous allons le mettre de côté. Donc là, vous ne demandez pas au spectateur s'il préfère le jeu rouge ou bleu. Vous dites tout simplement, on va prendre le jeu rouge et le jeu bleu, on va le mettre de côté. Et vous prenez le jeu rouge, vous enlevez les cartes et vous pouvez montrer un jeu totalement différent. Donc vous pouvez le montrer assez vite. Attention, comme je vous ai dit, il y a deux fois le même montage. Mais vous pouvez très bien montrer une grosse partie du jeu, d'accord? Voilà, ça suffit comme ça. Et en faisant ça, en fin de compte, vous allez couper à l'as de pique ici, d'accord? Et vous allez retourner les deux paquets et vous allez dire au spectateur de faire un mélange, un riffle shuffle ou un mélange Rosetta. Donc on va faire un petit mélange comme ceci. Donc le spectateur mélange lui-même, ok? Et là, grâce à ce mélange, on vient de placer les 13 premières cartes au-dessus du jeu, ça va être les 13 cartes qui sont répétées deux fois, d'accord? Et donc à partir de ce moment-là, vous dites au spectateur, vous avez bien mélangé les cartes, d'accord? Et vous allez distribuer les 13 premières cartes du dessus du jeu, une à une sur la table. Donc il va compter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et normalement, donc ça, vous les mettez de côté, on s'en servira plus. Et normalement, les 13 premières cartes, ici, ça sera celles qui vont se répéter deux fois, d'accord? Donc je vérifie sur ma liste ici que j'ai marqué si on a bien les 13 premières cartes. Donc on a le 2 de trèfle, c'est bon, le 4 de trèfle, il y est, le 8 de trèfle, il y est, le valet de trèfle, il y est, 3 de pique, il y est, 6 de pique, il y est, as de cœur, oui, 3 de cœur, oui, 7 de cœur, oui, dame de cœur, oui, roi de cœur, oui. 5 de carreau, 9 de carreau, on est bon. Vous voyez, grâce à ce mélange, j'ai bien les 13 cartes que je voulais. Et là, à partir de ce moment-là, donc si vous avez deux spectateurs, vous allez dire à chaque spectateur, vous allez choisir soit les cartes rouges, soit les cartes noires. D'accord? On va faire avec deux spectateurs. Il y en a un qui va prendre les cartes noires. Vous allez voir, c'est un tour de fou vraiment. Et l'autre, les cartes rouges, d'accord? Donc là, à ce moment-là, vous ne savez pas quelle couleur ont choisi les spectateurs. Et vous dites à l'un des spectateurs, par exemple celui-ci, de mémoriser une carte n'importe laquelle dans ces cartes qu'il a choisies, d'accord? Donc imaginons, il va choisir le roi de cœur, d'accord? On ne le sait pas. Pareil, l'autre spectateur, vous lui dites de mémoriser, donc de choisir une carte n'importe laquelle, donc le valet de trèfle, imaginons. Ici, vous leur dites de retourner les cartes, d'accord? Nous, on ne sait pas exactement ce qu'il a choisi. Donc ici, carte rouge, roi de cœur, et carte noire, valet de trèfle. Et vous dites à chaque spectateur, maintenant, avec le reste des cartes, d'additionner chaque carte, d'accord? On va tomber sur un chiffre. Donc vous rappelez au spectateur que le valet vaut 11, la dame vaut 12 et le roi vaut 13. Donc là, il va additionner toutes ces cartes-là. Nous, on ne sait pas du tout quelle carte il a choisi. Donc 12 et 5, 17, et 1, 18, et 7, 25, et 3, 28, et 9, 37. D'accord? Donc là, il a le 37 en tête. Ici, nous avons
11, 13 et 4, 17 et 6, 23. D'accord? Voilà, je vous marque 23 ici et 37 ici. Voilà, donc le spectateur a choisi une carte au hasard et avec le reste des cartes, il a additionné. D'accord? On aurait pu tomber sur n'importe quel chiffre, il aurait pu choisir n'importe quelle carte. D'accord? Donc il ne vous dit pas la carte, bien sûr. Et vous lui demandez sur quel chiffre il est tombé. D'accord? Vous demandez au spectateur ici. Donc il va vous dire 37. Et vous demandez à l'autre spectateur quel chiffre il a trouvé. Il va vous dire 23. D'accord? Et vous dites ce qui est incroyable, c'est que nous avons le jeu bleu ici. Vous introduisez le jeu bleu à ce moment-là. Et vous dites ce matin, j'ai une intuition incroyable. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai rangé mes cartes, certaines cartes, à une certaine position. Voilà, pas toutes les cartes, mais certaines cartes. Je ne sais pas pourquoi il y a des cartes auxquelles je pensais plus que d'autres. Là, vous dites au spectateur, ce qui serait fou, c'est que vous avez choisi une carte, vous êtes tombé sur un chiffre, et que cette carte-là soit à la position 37. Pareil pour vous, ce qui serait dingue, c'est que la carte à laquelle vous avez pensé soit en 23e position, ici. D'accord? Et donc vous prenez les cartes, vous les sortez. Et bien sûr, on va commencer par le chiffre le plus petit, 23. D'accord? Et là, vous allez voir ce qui se passe, c'est incroyable quand même. C'est qu'on va effectivement tomber à la 23e position ici, sur la carte choisie ici. Et on va effectivement tomber à la 37e position dans ce jeu-là, sur la carte choisie ici. C'est automatique. Donc ça, c'est le premier effet. Mais en plus, avant de retourner leur carte, vous pourrez savoir la carte, sélectionner la carte pensée. Et donc ça rajoute un effet supplémentaire. Donc bien évidemment, vous dites à votre spectateur les cartes qu'ils ont choisies, hein, il faut bien les cacher. Hein. Ils les cachent sous le tapis, ils les mettent dans leur poche, il ne faut pas qu'on les voit, d'accord? Mais vous, comment vous allez savoir quelle carte il a choisi? Vous ne savez que le chiffre. Et bien c'est grâce au chiffre que vous allez savoir la carte. Donc vous inquiétez pas, je vais vous dire les cartes rouges et les cartes noires. Chaque carte rouge auront un nombre précis et chaque carte noire auront aussi un nombre précis. D'accord? Donc quand on vous dira le chiffre ici, vous saurez automatiquement quelle carte il a choisi. Et ça, vous allez le dire juste avant qu'il retourne la 37e carte et la 23e carte. D'accord? Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une petite anti-sèche sur votre ordi. Vous imprimez assez petit. Et vous allez coller votre anti-sèche ici, par exemple. Et vous allez laisser l'étui en faisant le tour sur la table. Et vous pourrez prendre l'information très facilement parce que quand même, il y a pas mal de cartes et de chiffres à apprendre. Il y en a 7, il y en a 13, hein, de toute façon, 7 et 6. Donc je pense qu'une anti-sèche, ça sera très bien. Donc vous allez distribuer 23 cartes face visible, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. À 22, vous dites stop, arrêtez-vous. Et là, vous allez pouvoir révéler la carte pensée. Mais ça, c'est très fort puisque on ne sait pas du tout la carte choisie. D'accord? On ne sait rien. Et grâce aux chiffres, vous allez savoir. Donc 23. Donc moi, j'ai pas fait mon anti-sèche, mais je vais regarder sur ma feuille. Donc 23, normalement, c'est le valet de trèfle. Si j'ai marqué ici, c'est une carte noire. Donc là, à ce moment-là, vous dites au spectateur, je crois. J'en suis même sûr que vous avez choisi une carte noire. Parce que vous, au début, vous ne savez pas quel spectateur a choisi les rouges et les noirs. D'accord? Donc ça, c'est aussi très fort. Vous dites, je pense que vous avez choisi une carte noire. Je pense que vous avez choisi le valet trèfle. Et ça, vous le dites avant qu'il retourne la carte, la 23e carte. D'accord? Effectivement, vous lui demandez de sortir la carte qu'il avait cachée. Il vous montre le valet trèfle. Donc déjà là, bingo, première grosse surprise. Et là, on compte la 23e carte et on arrive effectivement sur le valet trèfle aussi. Donc là, la surprise est totale. Voilà. Et on continue avec 37. Donc 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. À 36, vous lui dites qu'il s'arrête. D'accord? Et donc, grâce au chiffre la 37, vous savez quelle carte il a choisi. Donc je regarde sur mon anti-sèche. C'est le roi de cœur. D'accord? Donc là, forcément, vous savez que c'est une carte rouge. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez choisi une carte rouge. Et là, vous dites au spectateur, si j'arrive à trouver votre carte, ça serait vraiment incroyable, d'accord? Et vous dites, je pense que vous avez choisi le roi de cœur. Vous demandez, vous dites à votre spectateur de sortir la carte qu'il avait cachée, de la montrer. Et effectivement, il avait choisi et pensé au roi de cœur.
Et on distribue la suivante, la 37e, et incroyable, on avait compté le total ici des cartes, et ici, on avait trouvé un nombre, et c'est magique, on tombe exactement sur la carte pensée. Donc là, c'est une double révélation. Pour la distribution des cartes une à une face visible, je vous conseille de le faire faire par votre spectateur. D'accord? Pourquoi? Bah, c'est évident, si vous le faites vous-même, il va penser que vous regardez les cartes ici. Il pourrait penser que vous avez des cartes marquées. Et donc ça serait très facile de révéler l'identité de la carte. C'est pour ça qu'il faut absolument que le spectateur distribue lui-même. Et mettez-vous assez loin de lui, à 2-3 mètres. D'accord? Comme ça, il ne pourra pas dire que vous avez vu le dos des cartes. D'accord? Donc c'est un effet vraiment très fort. On va pas refaire la démo. D'accord? Parce que c'est un tour qui dure assez longtemps quand même. Donc vous pouvez le faire, comme je vous ai dit, à un seul spectateur. D'accord? Ça va rien changer. Donc soit il peut choisir une carte rouge et une carte noire, mais je pense que pour un seul spectateur, le mieux c'est qu'il choisisse soit les rouges, soit les noirs, et il choisit une carte. D'accord? Donc vous avez vu, c'est vraiment incroyable. Peu importe la carte choisie. D'accord? Par exemple, si on avait choisi le 3 de pique, on aurait fait le total ici. On serait tombé forcément sur le 3 de pique. Aussi, c'est automatique parce qu'on a fait un gros arrangement dans chaque jeu de cartes. Donc voilà, c'est une double révélation vraiment incroyable, un petit double à canne, on va dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc moi j'aime beaucoup ce tour, c'est un tour que je vais garder précieusement, qui fait partie de mes favoris. Voilà, vous venez de faire un petit miracle avec ce tour. Donc dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours. À très bientôt, merci à vous. À très vite, bye bye.